Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le déballage du swap avec ma pichette. Donc, je ne ressemble absolument plus à rien, mais il est 18h. Voilà que Manon, enfin, elle est partie vers 17h, 17h30. Et on a passé la journée ensemble. Voilà. Je voulais vous faire filmer un daily vlog, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que j'étais fatiguée. Et donc voilà, on a fait l'échange de swap. Donc elle, elle m'a mis ça dans deux super sacs, un super nana, un Harry Potter. Moi, c'est dans un carton. Donc voilà, vous avez sa chaîne en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'aller voir ce que moi, je lui ai envoyé dans son swap. J'espère qu'il va lui plaire. J'ai trop hâte de connaître ses réactions. Et voilà. Donc pour le principe du swap, on est parti sur un swap surprise. On s'est donné quelques thèmes. On a mis deux articles par thème. Enfin, deux cadeaux. Parce qu'il y a certainement des où il y a plusieurs choses. et il y a des bonus. Et on est parti que sur des articles Temu, Shein, AliExpress. Voilà. Donc c'est pas make-up. Il y a une catégorie make-up, mais c'est pas que du make-up. Donc elle m'a dit, je t'ai mis les 1 dans un colis et les 2 dans l'autre colis. Dans, enfin, dans un sac et dans l'autre sac. Donc je pense qu'on va ouvrir un sac et puis l'autre. Tout simplement. Elle m'a dit que dans le Harry Potter, il y avait la carte. Donc on va prendre celui-là en premier. Donc bien sûr, je fais des catastrophes. Je fais tout tomber. Donc, c'est un sac Harry Potter. Gryffondor, hein, les couleurs. Hogwarts, tout ça, tout ça. C'est des très beaux sacs, ils sont très grands pour mettre des courses. Moi, je voulais lui en prendre aussi des beaux sacs, hein, mais quand j'ai vu 5 euros le sac, non. Je lui ai mis un carton, c'était beaucoup moins cher. Je préférais mettre 10 balles en plus dans le swap que dans l'emballage. Parce que, voilà, les sacs, c'est réutilisable, mais... Ouais, c'est pas le plus important. J'essaie de défaire le... Alors, j'ai mis mon attelle parce que... Enfin, ma manchette, là, parce que... J'ai pas mis l'attelle de la journée, donc j'ai hyper mal ma main. Donc voilà, on va pouvoir commencer le déballage avec la petite carte, la grosse carte. Oh, c'est Tiana. Oh là, il y a Cricri derrière. Oh, c'est les princesses Disney. Il y a Vaiana, Ariel, Polochon, il y a Hey Hey, Pampan. Non, c'est peut-être pas Pampan. Et Blanche-Neige. Je vais vous lire. Ma bijette d'amour, je suis trop contente de faire ce nouveau swap avec toi. Par contre, je dois t'avouer qu'il me stresse plus que les autres. J'ai peur de ne pas en avoir fait assez. Ouais, ça, j'y crois pas une seconde. Que ça ne te plaise pas, j'y crois pas une seconde. Ou qu'il y ait des doublons, tu commandes trop, haha. Là, je suis d'accord. Mais il est préparé avec amour. Encore merci d'être là. Et le reste, ben, tu sais déjà tout. Je t'aime, bisous, maman. Et là, il y a encore les petites princesses. Trop chou. Trop chou, trop chou. Très jolie carte. En plus, c'est un beau format. Hein. Vous pouvez le mettre dans un petit cadre et tout. Donc, voilà. J'ai préparé mon ciseau et mon cutter. Et on va pouvoir y aller. Alors, elle m'a tout d'abord pris... Ah oui, les liners de chez Action. Normalement, il y a les 3. Elle m'avait dit... Ah oui, ça aussi, c'est moi qui lui avais demandé. Mais du coup, elle me les met en plus. C'est les liners comme ça colorés de chez Action, les Stamping. Donc vous avez le Queen of Galaxy, tout pour moi. Et le petit dessin, c'est. Alors c'est pas marqué dessus. Là c'est les lunes et là c'est les petites étoiles, je pense. Il me semble qu'il y en avait 4. Elle en a peut-être trouvé que 2, hein, je ne sais pas où elle les a mis ailleurs. On verra bien. Et le. De la collection Life in Coral Lip Mask de chez Essence. Voilà, j'aimais bien juste parce qu'il était tourbillonnant à l'intérieur. Hein. Et je lui ai dit, ben, si tu te fais une commande, pense à moi parce que je l'aime bien et je ne veux pas juste commander ça. Puis... Ah, ils sont super bons. Je trouve qu'il y a une petite arrière-odeur de citron. C'est très beau à l'intérieur. C'est gadget, hein, mais... Des lip max que j'en ai à gogo. Alors je vois ici un petit bic. Un bic. Voilà.
Alors, là, je vois un carton qui n'est pas emballé. Parfum 1. Alors, voyons voir. Ah, tu ne l'avais pas ouvert pour vérifier. Tu l'as peut-être collé. Oh, oh. Ah, coucou qui vient me dire bonjour. Oui, mais non. Merci, il n'y a pas de place, Ryan. Oh, la bouteille, c'est un bijou. Oh, la vache. Alors, moi qui fais des commandes à gogo, j'ai même pas vu ça, quoi. Alors, par contre, ça se dévisse et c'est un embout pipette. Alors, je ne sens rien. J'ai un peu le nez... Ben, je ne sens rien. On va attendre un petit peu qu'il se diffuse. Ah non, il n'y a rien dedans en fait. Oh, je suis con. Non, il n'y a rien dedans. C'est une bouteille vide. C'est un flacon de décoration en fait. Il n'y a rien dedans. Je ne suis pas folle. J'étais en train de me dire ça sent rien. Mais forcément, si c'est vide, je suis un peu bébête. Voilà, mais le flacon est très beau. Et quitte à le laisser, vous mettez du parfum dedans et vous le laissez ouvert pour faire pour diffuser. C'est très joli. Ah mais attendez, elle m'a dit qu'il y avait des petites infos à l'arrière. C'est vide mais tellement beau. Ah bah voilà, j'aurais pu. Je viens d'y penser. Elle m'a dit qu'il y avait des petites infos, des petits indices à l'intérieur. Ne me demandez pas de comprendre. Alors, bonus. C'était bien trop beau. Je ne cherche pas à savoir. À gaga. Ça fait gaga. Attendez, parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, vous voyez, elle commence déjà. Ah, je voulais me le commander. Enfin, me le commander. Je voulais, quoi. Je ne sais pas si je l'aurais commandé, mais je le voulais. C'est l'highlighter en forme de soucoupe volante. Là. D'ailleurs, ils en ont sorti deux autres, je crois, de Shiglam. Et c'est vrai qu'il fait le buzz sur, un peu sur TikTok et tout ça. Et il avait l'air tellement beau, mais je me disais après, moi, je suis tellement difficile. Boarding. Vous voyez, c'est en forme de soucoupe volante, comme ça. Et là, l'highlighter. Alors, ouais, ça va être tendu. Je vais faire sur l'autre main. Ce qui paraît, il est assez impressionnant. Bon, là, on voit pas bien, mais il a l'air quand même pas mal lumineux. Hein. J'ai hâte de tester ça. Trop gotos. Je le voulais, en plus. Donc, tu vois, ça commence bien. Alors, Agag. C'est Gaga à l'envers. Ça ressemble légèrement à Charlotte Tilbury. Hein, on est d'accord? Je voulais lui prendre. J'en ai pris un autre, mais je voulais lui prendre. C'est un liner pailleté. Je les ai vus, ceux-là. Et je dis, oh, punaise, le packaging, il est trop beau. Je voulais lui prendre. Et puis, comme j'en ai pris un autre et que je me suis dit, j'hésitais entre les deux. Je me suis dit, oh, l'autre, il est un peu plus mignon. Celui-là, il est beau. L'autre, il est plus mignon. Oh, les paillettes sont jolies. Elles sont multicolores, rose, bleu. Je vais essayer de vous montrer de plus près le flacon. J'ai déjà des poils partout sur ma manchette, là. Je ne sais pas si vous allez bien. Oh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Mmh. J'adore. J'adore. Alors, je ne vais pas dire merci à chaque fois. Là, ça doit être un rouge à lèvres, je pense. Je les ai vus passer aussi, le petit macaron, la camé. J'ai adoré... Il me semble que je lui ai pris un truc comme ça aussi. Je ne sais plus. Ouais, il me semble que je lui ai pris un truc. Je ne sais plus tout ce que je lui ai mis dedans, hein, parce que je lui ai mis tellement de choses. Bon, par contre, je suis en train de déchirer la boîte. Je vais essayer de garder le petit macaron intact. Oui, ça y est, je commence à faire ma récup. Vous connaissez. Hein. J'ai branché mon micro. Oui. D'ailleurs, il est en train de tremper dans mon café, limite. Oh, qu'est-ce que c'est beau avec le petit camé, là. Ça fait très vintage, c'est très beau. Ça se dévisse, donc c'est pas un rouge à lèvres. Ah si, c'est un rouge à lèvres liquide. Oui, je suis con.
Oh, ils sont bons, ils sont de chocolat. Oh, chocolat ou caramel, un truc comme ça. Alors, c'est peut-être plus un gloss qu'un rouge à lèvres. Je pourrais peut-être lire hein, ce qui est marqué dessus. Ah non, c'est écrit en chinois, donc je peux pas lire ce qui est écrit dessus. Très beau. Et puis le genre de couleur que j'aime beaucoup. Et le packaging, il est canon. Oh là là. Magnifique. Et bah tu vois, rien que le bonus là, il est trop beau. Et en plus, il y a dedans, il y a un produit que je voulais et hein, que je lorgnais dessus, le liner pailleté là, et que j'ai failli te prendre aussi. Mais j'en ai pris un autre. Je pense que le packaging devrait bien te plaire aussi. Bonus, multichrome. Ouais, bon, si je tombe que sur des bonus, hein, tu peux me dire après que moi j'ai abusé. Donc ça doit être des crayons multichrome. Hein. Elle sait que j'adore ça. Mais enfin, j'ai une étiquette qui reste collée à mon doigt. Bon, écoutez, j'ai enlevé ma manchette là parce que ça me... C'est assez enquiquinant, tout pis si j'ai mal. Je ne voulais pas mettre la grosse attelle, même qu'elle me fait super bien. Ah, ben, c'est les chromosomes Chiglam. Ah oui, mais moi, j'en ai déjà deux, donc il faut que je surveille... Hein, quoique, ce n'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes teintes. C'est des... Ils ont sorti des nouveaux. On a trip. Pixel. Ça doit être des nouveaux, parce que les noms ne me disent rien. Après, oui, c'est possible qu'ils aient sorti des nouvelles collections. C'est vrai que je suis de moins en moins sur Shein, surtout pour le make-up, puisque j'achète vachement moins de make-up aussi. Après, je ne peux pas dépenser mes sous partout. Hein. Ah, la mine est cassée, il faut que je fasse attention. Ah, il ne va pas. Ah, celui-là, il est cassé. La mine, elle n'est pas dans le truc. Ah, elle est dans la mine, dans le capuchon. Facteur, désolé. Attendez, j'essaie de le récupérer sans faire de bêtises. Ah, elle ne veut pas sortir, la charogne. Attends, attendez. Hein. J'essaie de remettre la mine sans la casser. Voilà. Mais il ne faut pas qu'elle reste... Voilà. Elle s'est décollée du truc, donc il faut juste que je fasse gaffe. Oh, 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 oh. Beau. Beau. Je vais essayer de vérifier les teintes des miens. Attendez, pour pas... Ah oui, c'est même pas le même packaging. Ouais, c'est pas le même... Ouais, moi j'ai le Sublimal. Non, c'est pas celui-là. Je trouve pas l'autre. Mais c'est même pas les mêmes packagings en fait. Bon, je trouve pas le deuxième, mais. Ah, si, d'ailleurs. Sublimal et Zénith. Et vous voyez, c'est pas. Ça, c'est celui que Manon vient de m'offrir. Et ça, c'est la première version. Ah, bah, tu vois. Découverte, parce que je ne savais pas du tout. Ils en avaient fait des nouveaux. Donc, je suis trop contente. Moi qui adore le multichrome. Et le Pixels. Avec un S. J'espère qu'ils ne sont pas tous cassés. Non, celui-là c'est bon. Oh 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 là 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 là. Il est en dessous. Oh, ils sont beaux. Oh là, ils sont encore plus beaux que les autres. Ah, alors je viens de me rendre compte qu'on peut bloquer la pointe du cutter. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et là donc on a le Wild Wind. Wind c'est elle. Oh, oh, oh là là, oh, ils sont encore plus... Mais je vous jure, ils sont plus beaux que les précédents. Magnifique. Je vais vous swatcher un des autres là, de la première collection.
ils sont plus lumineux. Voilà, vous voyez pas vraiment tout avec l'éclairage, mais ils sont plus lumineux que les autres. Oh là 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 là. Merci ma péchette. Attendez, je bois un coup de café parce que je suis en train de me dessécher. J'ai des grosses cernes, des valises. Alors j'ai pas fait mon teint parce qu'il fait tellement chaud, j'ai juste fait mes yeux. Parce qu'on a eu plus de 30 degrés quand même. On va prendre un gros avec des bisous. Salon 1. J'espère qu'il est confo. C'est un plaid. Bon, je prends pas le temps de recycler le papier. Ah, c'est Edwige. Elle me connaît trop bien. Ah, c'est un coussin. C'est le coussin Edwige. Trop bien. Je voulais me le commander pendant la collection Chine, quand j'avais commandé. Puis, enfin, c'est la collection de Chine. Et puis je m'étais dit non, allez, abuse pas, c'est juste un coussin. Oh, il est trop mignon. Oh, il est doux. Oh, qu'est-ce qu'il est doux. Trop beau, j'ai déjà l'autre coussin Harry Potter en lettres de Poudlard. Hein. Il ira très bien dans mon canapé. Alors, il y en a un dans un sachet. Mais c'est énorme. Hein. Maison. Oui, hein, forcément. Pour un coin, un petit coin sorcière. Brrr. Brrr. Ça ira très bien avec mon mur que vous avez vu dans mon blog. Alors, ben là, il y a plein de choses. Hein. Déjà, on a un Moon Candle Holder. Donc, ah oui, ils disent porte-bougie, mais c'est... c'est trop beau. Oh, c'est très joli. C'est très gadget, hein, mais ça fait effet bronze, comme ça. Très beau. Oh là là. Et vous pouvez même le suspendre. J'aime bien. Et à part ça, elle avait peur de pas... Ah, une petite pierre. Un quartz transparent. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas le perdre. Mais ça ira sur ma petite étagère en bas. Ah, encore des pierres. Ça, c'est bien vu. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas marqué. Je ne sais pas vous dire. Ça a l'air d'être un peu plus granit comme ça, mais... Peut-être de l'onyx. Je ne sais pas. Si vous connaissez en pierre, dites-moi. Enfin, de toute façon, elle me dira, hein, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça doit être une pierre aussi. Non. C'est un petit truc en verre, comme ça, avec un truc à l'intérieur. Que j'arrive pas à sortir. Attendez. Attendez. Je vais prendre mon ciseau. Non, ça ne veut pas. J'ai bien une pince à épier. Ah, mais j'ai ma pince à faucille ici. Attendez. J'arrive pas à le choper avec mes gros doigts. Bah, même avec la pince, en fait. C'est bien coincé dedans. Allez, sors. Voilà. Ah, mais c'est une petite pierre aussi. En triangle, comme ça, très haut. À limite, le gros, il rentre peut-être dedans. Attendez. Non, il rentre pas dedans. Voilà. C'est très joli. Peut-être que le quartz y rentre dedans avec aussi. Non, peut-être pas. Donc, pour ne pas le perdre, je ne vais pas tester maintenant. Mais voilà. Très jolie idée. Très jolie. Je n'aurais pas pensé. Donc, c'est une très jolie idée. Et il y a encore un truc emballé comme ça dans un cartoon. Je savoure, hein. Alors, ça c'est un truc, je pense, c'est des ailes. Ah oui, c'est pour faire mettre en coin. C'est le tracteur qui rentre des champs. Désolé. Hein. Donc vous voyez, vous avez l'étagère de coin ici.
et vous fixez ça au mur. Je les ai vus aussi, les étagères de coin comme ça, et finalement je lui en ai pas pris parce que j'ai pris autre chose pour mettre à son mur. C'est trop beau, j'adore. Faut que je réfléchisse. Ah si, je sais où je vais le mettre, je vais le mettre au-dessus de mon imprimante, je pense. Coup de café. Oui, il fait chaud, mais je bois du café quand même. Quand je vois tout ce qu'il y a, vous avez le temps, j'espère. Hein, parce que. Alors, make-up 1. Tu avais dit que c'était beau. Bah ouais, mais moi, je trouve toujours tout beau. Alors, c'est pas compliqué. C'est un kit. C'est certainement un truc qu'elle a utilisé et que... Ah oui! C'est le lip Dazzler Glitter Kit. Kit de paillettes lip Dazzler. Il me semble... Ouais, tu l'avais testé. Hein. Ouais, il me semble. Ça, c'était trop beau sur ses lèvres. On va juste regarder la couleur des paillettes. Hein. Il faudra que je lise comment ça fonctionne. Ou que je regarde de nouveau sa vidéo où elle l'a testé. Tout simplement. Alors, vous avez un crayon. Alors, je crois que c'est un crayon transparent, si je me souviens bien de... Ah non, il est nude. Ah, oh, et la mine s'est cassée, mais c'est pas possible. Oh. Elle est nude, un peu corail orangé, comme ça, marron orangé. Très beau. Ça, c'est le genre de couleur que j'adore mettre sur mes lèvres. Ensuite, vous avez le petit pinceau applicateur avec l'embout applicateur. Et là, c'est le gloss pour mettre les paillettes. Et voilà les paillettes pour mettre sur les lèvres. Oh là là, j'ai hâte de tester. Je vais briller de mille feux avec ça, l'highlighter, le liner pailleté, les crayons chromatiques. Là. On va me voir jusqu'à chez Buzz l'éclair. Non, on pourra se... Je testerai tout ça dans le prochain vlog. On se fera un petit make-up spécial swap Manon. Ongle 1. Je veux voir un nail art avec tous ces produits. D'accord, chef. D'accord, chef. Chef, oui, chef. Je dirais bien que c'est pour les ongles. Les strass, ils sont trop beaux. Paillettes aussi. Color gel. Donc, elle m'a mis un VSP gris. Gris bleu, thé vert canne. Oh non, pailleté. Oh là là. Oh là là. Il est... Alors, vous allez absolument pas voir. Oh, si, quand même. Sauf qu'il y a ma grosse tête. Il fait pas le focus sur le truc. Mais trop. Alors j'espère que je serai pas allergique hein, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de réactions. Elle m'a mis des paillettes qui vont avec le vernis en fait. Elles sont canon, le graphique aussi. Et les strass. Oh my god! Mais j'ai jamais vu des strass comme ça quoi. Ils sont trop beaux. C'est des strass holographiques. Multichrome. Oh! Ils sont canons! Et il y a des. Oh! Les formes sont trop belles aussi! Il y a des petits papillons, des gouttes, des étoiles, des rectangles, des petits nœuds, j'allais dire des nonos, des fleurs. Oh! Magnifique! Des petits carrés. C'est bien, c'est des formes qu'on ne voit pas en plus partout. Donc, je te ferai un petit nail art avec tout ça. Avec plaisir. Oh là là, trop bien. C'est trop bien. Oh non, ça ne faut pas que je jette mes petites pierres. Ah, non, tu descends avec ton os, toi. Riley Astor. Ah, encore un bicouze. Ça, c'est bien, on n'en a jamais assez. Vous verrez. Elle en a aussi. Elles font tout leur effet pour chaussettes 1. Oh, des petits pandas. Des petits pandas. Alors, c'est des résines avec un petit nœud. Ah oui, j'en avais déjà eu, mais moi, il y avait un défaut, donc je ne les ai jamais mis.
le nœud était à l'envers en fait quand je le mettais. D'ailleurs, j'avais coupé dedans et je m'en étais servi comme mitaine dans un make-up d'Halloween. Vous voyez, vous avez la chaussette et à l'arrière de votre cheville, vous avez le petit nœud là. Et c'est trop beau, hein. Mettre ça dans des petites baskets en été, ça fait son effet, comme elle dit. Et les os. Ah ben, c'est le même principe, mais là, c'est des plus épaisses. Oh, j'adore. Avec un gros nœud. Oh, j'adore. Je les aurais eu aujourd'hui, vous voyez, enfin, pour ce midi, là. Je les aurais mis avec mes baskets au lieu de mettre les chaussures à talons. J'aime trop. Moi, je suis restée dans le basique, hein. Bon, je n'arrive pas à les remettre dedans. On met ça là. Un fruit. J'en prends deux d'un coup, je triche. Bijou 1. Regarde bien qui s'y cache. J'espère que tu les porteras. Regarde bien qui s'y cache. C'est Mia B. La boîte est très jolie. Regarde bien qui s'y cache. Oh, elles sont belles. Bon, je vois pas qui s'y cache. Mais elles sont magnifiques. Et ça me fait penser à quoi? Moi, je sais pas pourquoi, mais comme ça, de but en blanc, ça me fait penser à Sailor Moon, alors que ça doit pas être ça du tout. Regarde bien qui s'y cache. Bébé Yoda! Là, c'est Grogu. Elles sont trop belles. Wesh. Faut que j'arrête de parler comme mes gosses, moi. Oh, mais clairement, je vais les mettre. Elles sont trop belles. Donc vous avez 4 clous et 3 pendantes. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Incroyable. Et j'ai eu bougie 1 aussi. Ah, j'ai pas vu l'indice. Pour ton prochain gâteau d'anniversaire. Vous vous demandez quel âge je dois avoir? 45, hein, pas 54, c'est 45. Hein. Elles sont trop belles. Bon, bah, au moins, je suis... Et je regarde en plus en ayant 54 dans la main. Non, c'est 45. Pas abusé. T'es sûr que c'est 45 que je vais avoir? T'abuses pas un peu, là? Juste un peu, non? Bon, non, si tu le dis. Alors... Cuisine 1. Des drinks de Queen. Bling, bling. Des drinks de Queen. Si c'est du bling, bling, j'ai envie de te lire. Ah, c'est pour faire des glaçons en forme de diamant, je crois. Ça doit être ça. Allez. Ouais, c'est ça. Ça fait des glaçons en forme de diamant. Mais comme il y a le truc là, bah c'est pour les remplir, hein, mais vous pouvez aussi mettre une pique dedans et mettre du sirop, par exemple, pour faire des petites sucettes glacées, vous voyez. Je pense que je fais, c'est ce que je ferai, d'ailleurs. Boulot. Avec un milkshake à la banane ou des trucs comme ça. Ça me fera des mini-glaces. Une grosse glace, j'arrive pas à la manger. Riley est en train de manger son os sur le palier. Donc ça m'a fait penser à ton style. Quand les garçons vont voir ça. C'est une ceinture. J'espère que c'est une ceinture, pas un collier, parce qu'on dirait un peu un chien.
C'est une ceinture de hanche comme ça. Trop beau. J'adore. J'adore les chaînes. J'adore. Faudrait que je la mette. Sur quoi, je sais pas. Mais bon, après, vous pouvez mettre ça sur un peu tout. Hein. Une jupe noire, un jeans. Un peu sur tout. Alors. Ah, il en reste encore pas mal. Hein. Vêtements 1. Car tu n'es pas tellement princesse. Moi? Un verre. J'adore. C'est les vilains. En plus, bah, y a mes 4 préférés, quoi. J'ai envie de dire, c'est limite mes préférés. Bon, Maléfique, elle est un peu moche. Mais celui-là, elle est trop bien faite. J'adore. Mais qui file de là? C'est un sweat à capuche vert. Avec les méchants Disney, quoi. Avec les vilaines, quoi. Not sorry. Oui, c'est totalement ça. Poche kangourou. J'adore. J'aime trop. J'adore, j'adore, j'adore. Elle me connaît bien. Hein. Ah, je pense que je la connais bien aussi. On verra ça après. On ira voir son petit swap après. Hein. C'est un petit swap. Cheveux 1. Hein. Difficile d'en choisir qu'un alors qu'il y en a plusieurs. Effectivement, quand il y a plusieurs choses, c'est toujours difficile de choisir. J'avais déjà ouvert le sac et je viens de le refermer. Non. Je vais sa tête. Ça ne m'aurait pas été volé. Hop. Un nœud. Il y en a un, je pense que j'ai déjà par contre. J'adore, ça fait très Alice au pays des merveilles. Je pense que vous pouvez le bouger. Non, on ne peut pas le bouger. J'aime beaucoup. Et celui-là, ouais, il me semble que je l'ai déjà. Ah non, c'est peut-être pas le même. Enfin, je vois pas d'ici parce que, comme il y a les travaux, j'ai ma porte devant. Il me semble quand même que ça me dit quelque chose. D'ailleurs, il me semble que je t'avais envoyé le lien, que tu m'avais demandé le lien. Ça, je fais rien. Donc, vous avez les chaînes qui pendent avec les papillons, là. C'est bien emballé, hein. C'est bien protégé, c'est pour éviter que ça se griffe. Et donc vous avez des papillons sur le côté ici et les strass au-dessus. Et voilà. Bon, ça donne mieux dans les cheveux très longs, hein, puisque ça ressort. Mais même comme ça, ça fait un peu comme si vous aviez des longues boucles d'oreilles. C'est joli aussi. Hein. Mais c'est vrai que dans les longs cheveux, ça sort mieux. Hein. Mais il est très beau. Oh. Oh. Comme ça, j'en ai pas en plus. C'est un assez gros, avec noir, avec des strass de plusieurs tailles. Oh, j'adore. J'en ai pas de comme ça. Si gros comme ça, j'en ai pas. J'adore. Je suis contente. Donc, je ne dis pas merci à chaque fois, hein, parce que sinon, je vais faire que ça. Chien 1. C'était trop mignon. Alors, le problème, c'est de savoir combien de temps ça va faire avec Freyler. Hein. Est-ce que je lui ai trouvé pour Fluffy? Vous allez voir. Ah, une licorne! Vous allez voir que c'est trop mignon aussi. Ça me semble que c'est une licorne. Hein. On regarde comme ça. Excellent. Ça, ils vont adorer. Oh, il y a un poids de pète. Alors, je ne fais pas aller parce que s'ils l'entendent, ils vont rappliquer ici et me sauter dessus. J'adore. Et l'autre, c'est dans un petit pochon en plastique. Je te montre ça. C'est le même principe. Oh, c'est une lettre d'amour. Avec des petits cœurs qui sortent. Excellent. Et des petites ailes. C'est excellent. C'est bien fait, ça. Avec la petite patoune de l'autre côté. Et il y a un pouet-pouet aussi. Alors, on va entendre pouet-pouet. Pouet-pouet.
chouette, chouette. Tant que le truc sera en vie. Riley adore faire aller ses pouettes pouettes. Ça, c'est un truc de dingue. Petit coup de café. Je suis en train de me dessécher, moi, et de surchauffer. J'en fais encore un, puis je vais faire une petite pause pour aller prendre un petit courant d'air en bas. Et comme ça, je pourrais préparer un bicous rose. Alors, attendez, là, il en reste 3. Allez, on va faire les 3 là, et puis on passera à l'autre sac après une petite pause. Et il y a le petit rangement pour le sac, c'est génial. Ça, c'est génial. Mais comme ça, je pourrais mettre tout ce qui va en bas dans le sac. J'ai pas lu. Accessoires make-up 1. On n'en a jamais trop. Ça doit être des pinceaux, ça. Manon et les pinceaux. C'est Harry Potter. Je les avais vus aussi. Hein. Alors, vous avez la petite trousse. Et il y en a dedans, en plus. Alors, vous avez un goupillon, un pinceau plat, un pinceau ratcil, un pinceau estompeur. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là, il y a... est-ce que c'est tous les mêmes dessins? Non, ça, là, c'est les 4 maisons. Ouais. Vous avez un gros pinceau... poudre. Ils sont bien emballés, hein. Ils sont bien protégés avec un brush guard et tout. Et je pense que c'est 2 kits différents, ça. Je me souviens plus. Mais c'est vrai que j'avais lorgné dessus aussi. Puis je me suis dit, allez, les pinceaux, t'en as assez. Oui, super doux. Et là, c'est Hogwarts. Il est super doux, le bazar. J'adore, j'adore, j'adore. Eh ben, on a de quoi tester, les gars. Riley, tu vas bouffer ton os ailleurs, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'entendre mâchouiller. Voilà, je vais enfin essayer de sortir. Et là, pareil, vous avez le pinceau plat, le pinceau ratier, le pinceau estompeur et un pinceau biseauté pour le liner, les sourcils et tout ça. Trop bien. J'adore. Je vais mettre ceux-là dans... Bon, le gros doit rentrer dans la trousse aussi, je pense. Je vais tous les mettre dans la trousse, comme ça je les perds pas. Hop. Bonus. Ah, ça faisait longtemps. Il m'a fait penser à celui de Nabla. Bon, mascara. Parce que Nabla, à part mascara et c'est encore Agag. Donc Gaga à l'envers. La boîte est super belle. Riley, va manger ton os ailleurs. Hein. Il est beau! Oh là là, c'est des bijoux! Après, par rapport à Zissi, c'est plus gadget, hein, le packaging, mais il fait son effet, quoi. Vous voyez? On s'en fout que c'est pas du super. D'ailleurs, je préfère quand c'est plus léger que lourd. Ah, il est tout fin, génial! Pour les cils du bas. Oh, à tester. J'espère qu'il sera bien noir, comme j'aime bien. Après, je suis pas sûr que question prix soit beaucoup moins cher que le Nabla, hein, parce que je sais que j'ai regardé pour elle aussi dans ces catégories-là et que c'est pas donné, hein, ce genre de make-up-là. Et le dernier, Papeterie 1. J'espère vraiment que tu ne les as pas. Alors, elle m'a pris des livres à colorier. Et là, c'était un gros risque. Hein. J'avoue. Et je ne les ai pas. Alors celui-là, j'avais déjà vu plusieurs fois et j'ai jamais osé l'acheter à cause de l'effet bocal et la transparence. J'étais pas sûre de savoir gérer ça, donc je l'ai pas pris. C'est tout des dessins avec en jarre. Vous voyez, bon là sur fond noir ça se voit un peu moins. Ah bah quoique. Par contre, c'est papier un peu glacé comme ça, donc j'espère que le crayon passera dessus.
Sinon, je les ferai à la peinture. Ça peut être joli aussi en peinture. Faire tout en peinture métallisée. Oh, celui-là est beau. Donc, non, je ne l'ai pas. Et l'autre, je ne l'ai pas non plus. Il n'y a pas de petite. Oh, trop belle image. Trop belle. Fleur. Oh, elle est belle, ça. J'ai à peu près le même style, mais c'est pas celui-là. Oh, celle-là est belle aussi. Donc, génial. Elle s'y a trouvé dès que j'avais pas. Bravo, bravo, bravo. Ça a le mérite d'être dit. Alors, je vais ranger ça dans le premier sac et je vais aller me rafraîchir un petit coup en bas parce que là, je suis en train de suer comme une grosse cochonne. Je sens le couscous. Donc, je vais ranger ça. Je vais prendre l'air 5 minutes et on attaque la deuxième partie. Je suis en train de me décomposer de plus en plus. Donc, on peut passer au deuxième paquet. Alors, il y a les autres liners. Elle les a trouvés tous. Il me semble déjà qu'elle m'avait dit. Et ici, on a les petites fleurs et je sais pas quoi. Je sais pas trop. Cosmic Pixie et Galactic Sparkle. Voilà, comme ça j'ai les quatre. Alors, une petite boîte. Ça m'a fait mourir de rire car c'est tellement ça. Délicat arôme. Natural soy wax and pure essential oil sand candle. D'accord. C'est une candle. Light me when the dog farts. Oh, ça sent bon. Fart, c'est quoi? À bois? Oh, elles sont bonnes. J'ai pas mon téléphone pour traduire, donc... boulot. Si vous parlez pas anglais, ben... vous en savez pas plus que moi. Donc, ceux qui parlent anglais peuvent traduire en tout. Alors là, il y a un truc pas emballé. Ah, c'est une petite lampe bonus triche. Ah oui, elle l'a trouvée dans un magasin. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est une ampoule. Et à l'intérieur, c'est une licorne. Regardez. C'est trop original. C'est trop génial. Et oui, donc elle l'a acheté en magasin. Elle m'a dit qu'elle avait fait plusieurs triches. Moi, j'ai pas triché. J'ai un peu mal la main, donc ça devient un peu dur de... Alors, je pense qu'elle se recharge. Sinon, il faut la brancher. Donc je ne pourrais pas vous montrer, mais je pense qu'elle se recharge. Ah oui, puisque elle se... le truc est là. Trop beau. C'est trop original, c'est génial. J'adore. Elle tient debout. Oh, parfait. C'est trop bien. Trop bien pensé. J'aime beaucoup. Vous voyez, elle triche. Elle triche bien, mais elle triche. Alors. Bonus triche. Marshmallow. Ah, non, c'est le Trickle Moon. Je l'adore. En plus, je l'avais eu il y a très longtemps. En attendant un de chez Action. Je lui avais dit, les gammes que j'adore, là, chez Action, je lui avais dit, j'attends qu'ils sortent au marshmallow, parce que c'est une odeur que j'adore. Et le Trickle Moon, je l'avais eu il y a des années et je l'avais tellement adoré, j'en avais acheté 3, je crois. Donc voilà, je suis trop contente. Trop contente. Faut voir la mettre sous ma douche. Oui, c'est pas la saison, mais on s'en fout. Le marshmallow, c'est à toutes les saisons. Nous, on utilise ça comme dessert sur les barbecues. Alors, cuisine 2. À mettre au mur. Santé. Il y a deux rouleaux, c'est une toile. Je ne trouve pas le petit bout collant pour l'ouvrir. Là.
Alors ça, je sais pas c'est quoi. On va déjà regarder la toile. Sans la couper, ça serait bien. Sans me couper un doigt, ça serait encore mieux. C'est tous les cafés qui existent. Qu'est-ce que vous voulez que... Avocado. Ça, je ne connais pas. Americano, Black Ice, Brave, Café au lait. Ouh, c'est mon préféré. Cappuccino, je connais aussi. Café latte aussi. Je ne vois pas pourquoi tu m'offres un truc qui parle de café. Franchement, je comprends pas. Et l'autre, c'est encore une toile plus petite. Aïe, je me suis coincée. C'est moi le matin. C'est vraiment ça. Totalement ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis comme ça sur une affiche. Franchement, ils n'ont pas honte de m'afficher comme ça. C'est un truc de fou. Ah là 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 là. Bougie 2. BFF, 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 love you. Donc je suppose que c'est une bougie BFF. C'est des bougeoirs. To my bestie. Because of you, I love a little harder, cry a little less, and smile a lot more. Thank you for being my unbiological sister. C'est tellement ça. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est pour mettre des petites bougies chauffe-plats, donc ça on en a toujours. C'est trop mignon. Mmh. Oh, ça me touche. Je suis émotionnée. Je suis émotionnée là. On continue. Salon 2. Tu as encore un peu de place pour lui. Ouf. Ouf. Acrylique mirror. Oh, génial. Alors, là, c'est le plan. Je suppose. J'ai jamais fait ça. Hein. Je sais pas du tout comment ça va. C'est un bandit en miroir. Trop bien. Il est grand en plus. Ah ouais, je vais lui faire une place, ça c'est sûr. Ou je ne sais pas, mais je vais lui faire une place. Ça c'est sûr. Trop beau. Et donc, vous avez tous les petits trucs miroitants là, à coller. Génial. J'ai jamais fait ça. Donc, ça va m'amuser en plus. Double emploi. Ça va être beau, ça va m'amuser. Et je vais pouvoir m'admirer dedans. Triple emploi. Trop beau. Ça, j'aurais pas pensé non plus, vous voyez. Comme quoi. Hein. On pense pas toujours à la même chose, même qu'on se connaît très bien. Alors, oh, mode 2, je le trouve trop beau, j'espère que toi aussi. Je crois que je l'ai vu aussi, je crois que j'ai hésité à te le prendre, mais je l'ai adoré. Il est trop beau. Alors normalement dedans vous avez la sangle, il y a déjà les bulles. Ils sont fous. Et la sangle, voilà, parce que moi je préfère les porter... Ah bah vous avez pour mettre en poignée, enfin les poignées. Ah bah comme ça, ça ira aussi parce qu'il est vraiment sur mon bras quand même. Oh, il est trop beau. Ah et en plus il y a une croix. Il y a des cœurs, une croix, des chaînes, des clous. Ah, j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. J'adore. Et puis on peut même avec la grande bandoulière comme ça le mettre en bandoulière justement. Donc parfait. Parfait, parfait, parfait. Elle me connaît, mais alors tellement bien. J'adore, il est trop beau, trop stylé. Encore des petits bibics. Et en plus, vous avez remarqué, ils sont tous pastels. Alors, cheveux 2.
parfait pour ta nouvelle couleur. Hein. Des pinces. On n'a jamais trop de pinces dans ma vie. Oh, des petites pinces crabes dorées et avec des perles. Alors, j'espère qu'il y a deux fois les mêmes. Non, c'est toutes des uniques. Oh, elles sont trop belles. Alors, je vais vous en montrer. Oh. Non, je vais toutes vous les montrer. Elles sont trop belles. Trop belles. Alors, moi, c'est le genre de truc que je prends en double exemplaire d'habitude parce que comme ça, je peux en mettre une de chaque côté. Mais là, je ferai juste des petites... je sais pas. Mais je les mettrai, ça, c'est clair. Elles sont trop belles. Une plus classique comme ça. Regardez celle-là en forme de ruban, là. Trop beau. Et une rectangulaire. J'aime trop. Elles sont trop belles. Et celle-ci, donc là, c'est des clips. Oh, celle avec le nounours. J'adore. Ah, il y en a une qu'on ne voit pas. Attendez, celle du dessous, on ne la voit pas. Je vais les sortir. J'ai extrêmement mal ma main. Ah, elle est belle aussi, celle qu'on ne voyait pas. Mais celle avec le nounours, la première. J'adore. J'aime trop. Oh, j'ai presque plus de batterie. Bordel. Bordel. Parfum 2. Beau et bon. Tu l'as goûté. Et il y en a deux dedans. Scented candle, just for you. Je suis tellement en train de transpirer que même mes lunettes elles se font la mal. Ah mais. En tout cas, ça sent super bon. Que c'est candle, c'est marqué candle, donc ça doit être une candle. Donc c'est de la cire, à mon avis c'est pour accrocher dans les... Oh, ça sent super bon. Atmosphère, ouais, à mon avis c'est pour accrocher, vous savez, dans les garde-robes ou bah, même limite aux toilettes, j'ai envie de vous dire. Et c'est en cire en fait, c'est pour ça que c'est marqué candle. Oh, ça sent super bon. Je vais le remettre dans sa boîte pour pas l'abîmer. Oh, ils sont super bons celui-là. Et un parfum à la pêche. Trop bien. Ah non, c'est des parfums d'ambiance à la pêche. Enfin, c'est un parfum d'ambiance avec les petits bâtonnets. Ça, vous verrez qu'elle en a un aussi. Alors. Oh, ils sont bons. Ils sont bons, la pêche. J'ai besoin de vous le dire. Donc, avec les petits bâtons. J'adore ces trucs-là. Je vais pouvoir le mettre, d'ailleurs, tout de suite, parce que c'est vraiment de saison. Donc, je vais pouvoir le mettre tout de suite en bas ou même ici, tiens, parce que j'ai pas de sambon ici. Bijou 2, encore une super belle boîte, hein. Opal. J'espère que j'ai bien choisi. La boîte elle est canon, hein. Pose avec un petit tiroir. Oh, c'est un bracelet comme j'aime bien, avec des perles mais métalliques en même temps, avec une lune. Trop beau. Il est superbement beau. Attendez, je vais le sortir. Ah bah, je peux le mettre tout de suite. En plus, c'est un élastique. Hein. C'est génial. Oh, la perle là, elle est canon. Oh, je vais le mettre tout de suite. Et c'est bien parce que c'est élastique. Donc, du coup... Bon, après, moi, c'est toujours un peu trop grand, ces trucs-là. Hein. Mais ça va, vu que c'est... C'est rigide, là, sur les côtés. Vous voyez, vous pouvez le mettre un peu plus bas. Mais la perle là, elle est magnifique. Waouh. Elle brille de partout. Donc, Opal, c'est une boîte Opal Bijoux, donc c'est pas ça. Hein. The Good Looking. Papeterie 2.
pour remplir tes fonds. Donc là, elle parle de mon coloriage, de mes coloriages. Elle sait que j'adore faire des fonds. Des tampons. Trop bien. Trop bien, trop bien. J'ai déjà un nœud. Enfin, j'arrive pas à défaire le nœud, plutôt, on va dire. En français, ça serait bien. Voilà. Avec des petites fleurs. C'est génial. Ah, il y a même un petit papillon. Trop bien. Et vous voyez, c'est des tampons. Bah, des tampons, quoi. C'est tout ce que vous connaissez. Alors, je regarde, il n'y a pas l'encre avec. Donc, il faudra que j'achète l'encre. Bon, je pense qu'avec de la peinture, je peux essayer aussi. Ça peut marcher aussi. Donc, ça serait bien, j'en ai pas. J'en ai pas pour mes fonds. Alors, accessoire make-up 2. Toujours utile, non? Chine et Harry Potter. Ah, des rasoirs. Bien vu. Des petits rasoirs pour les sourcils et le duvet. Comme ça, ça doit être pour poser le blender, je pense. Ouais. C'est un petit ustensile pour poser les blenders et tout ça, pour pas que ça traîne sur le sol, enfin sur le sol, sur la table. Donc très pratique. Je vous avais pas vu passer les petits rasoirs. Ensuite, vêtements 2. Je vois des perles. Je te vois tellement bien dedans. Oh, pilier foufou. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est magnifique. Oh là là. Manche évasée, des perles, du tulle. Oh, un col haut. J'ai trop hâte de le mettre. J'ai trop hâte de le mettre. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, magnifique, j'adore. Une petite goutte dans le dos en plus. J'adore. Oh, j'ai trop hâte de le mettre. Il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Et j'ai plus de place. Et à part ça, elle avait peur, hein. Que j'aime pas. C'est un sans faute. Mais elle me connaît tellement bien. Enfin, on se connaît tellement bien. With Love, ongle 2. Des décos, en veux-tu, en voilà. Regardez, mes paquets sont là, mal là. Des décos, en veux-tu, en voilà. Des petites boîtes comme ça, j'adore. Une ruban entièrement. Ah oui, c'est tout des strass comme ça. Bon, je les ouvre pas hein, parce qu'il y en a beaucoup. Oh là. Avec des chaînes. Oh. Trop beau. Trop beau, trop beau. Je vous montre quand même, j'espère que vous verrez à peu près. Il y a des petits nœuds en métal comme ça. Il y a ici des stickers holographiques, papillons, tribal, flammes. Oh, trop beau. Faudra que je les regarde de plus près, mais il y en a plein. Des camés. Trop bien. Ça, j'ai jamais vu passer non plus. Ils sont beaux. Phil, Riley. Des croix. Deux sortes différentes. Elle me connaît vraiment tellement bien. Ah ouais, ça, ça fait un peu gros peut-être sur l'ongle. Hein, mais ça peut faire... Alors attendez, je vais vous en sortir un quand même. Pour un make-up à thème, ça peut être sympa. Alors attendez, parce qu'ils sont tous mêlés. Parce que bon, clairement, ça, je ne mettrai pas sur mes ongles. Hein, c'est beaucoup trop long. Même dans les cheveux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous avez le petit cœur. Je pense que, vu qu'il y a des petits trous dedans, on peut glisser une épingle à cheveux et bam. Ah, à tester. À tester. Yuki.
Et alors, il y a Sam qui gueule en haut, hein. Je suis désolée, mais j'ai plus de porte. Ma porte, elle est là sur le côté. Parce que chérie vient de carreler le couloir. Donc, voilà. Alors, on arrive à la fin. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais il y en a encore pas mal. Hein. Make-up 2. Je la trouvais magnifique, mais je n'ai pas reçu la bonne teinte. Ah, c'était ça. Je te disais, je suis pas sûre que tu l'utiliseras. Bah, tu me montreras la bonne teinte que tu voulais, hein, de base. Color rose. Je me demande si c'est pas la même que j'avais pris. Allez voir son swatch, parce que là j'ai un doute. Non, c'est pas le même packaging en tout cas, mais c'est le même principe. C'est très beau. Oh bah, les couleurs sont sympas, c'est du nude, on est d'accord, mais c'est sympa. Mais ça me dit quelque chose quand même. C'est tellement beau, c'est des bijoux hein, ces palettes. Attendez, parce que je vais enlever le plastique. Yuki! En ce moment, je suis dans ma période assez nude, donc écoutez, vous avez 3 mats, 3 irisés et 2 plus pailletés métallisés. Vous avez su en gel, là, et un highlighter et un bronzer que vous pouvez vous servir très bien pour vous maquiller aussi. Donc, on testera ça. Le carton, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin, ça fait du bruit. J'ai hâte de tester tout ça. Chaussettes 2. Elles sont trop drôles, non? Ça, ça doit être du pilou-pilou. Bah oui. Elle pouvait pas. On voit plus bien comme ça déjà. Ça prend mal. C'était pour lui. Je suis en train de pleurer tellement. Là, elles sont excellentes. Celles-là. Je crois que c'est mes préférées. J'adore. C'est trop fun. Oh, c'est trop fun. Et puis en plus, elles sont bien larges et tout. Et elles sont super douces. Mais alors, ah, celui-là, c'est mon préféré. J'adore pleurer. Trop bien. Je vais les montrer à Georges après, il va rire. Alors, bah même monsieur, hein, je pense qu'il va bien rire. Oh, le petit goupillon Hello Kitty. C'était essence, hein, ça, c'est de la triche. C'est le packaging d'essence, hein, oui. Encore de la triche, la madame. Bonus. Oh putain, je vais pas m'en remettre, moi, des Josette. Ouvre-moi cette merveille. D'accord. D'accord, madame. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça doit être un highlighter ou un blush. Oh, oh là là. Oh là là, c'est beau. Rien que le packaging. Oh là là, c'est une beauté. C'est un blush. Oh, oh là là. Oh, oh, oh là là. Il y a le plastique qui veut pas ça. Oh là 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 là. Je confirme. Ah, j'ai plus de batterie. Je confirme, c'est une merveille. Bon, je filme les deux restants là, en espérant que ça ne me coupe pas la chic. Et je clôturerai au téléphone, je pense, parce que du coup, j'ai plus de batterie. Ah, oh, j'ai une équipe cool maintenant d'avoir rigolé. Merde, j'ai pas lu. Chien 2. Au revoir. Car ce sont tes chiens. Trop fort, j'adore. Alors là, il doit y avoir un pouet-pouet aussi. Alors je vais pas le faire aller parce qu'ils sont là tous les deux. Je vais leur donner après. Hein.
Et le petit dernier, je vérifie, hein, parce que lequel, ouais, c'est le petit sac pour le sac. Maison 2, jolie fée. Oh putain, j'ai le nez qui coule, j'arrive pas à m'en remettre là, les chaussettes. En plus, je les ai là juste devant moi. Elles m'ont tué. Désolée. Ah oui, c'est les petites lanternes. C'est solaire en plus, je crois. Ouais. Ça, c'est trop beau. Je les avais vus aussi, j'ai hésité, puis finalement, je ne l'ai pas pris. C'est trop beau. Mais c'est solaire, donc il n'y a rien pour... Ah, c'est peut-être à l'intérieur pour allumer. Il y a un petit faux contact. Hein. C'est parce que je ne l'ai pas vissé à fond, peut-être. Trop beau. Faudra juste que je regarde, parce que là... Désolée pour ça. Et ben voilà. Oh là là. J'ai le nez qui coule tellement, je me suis marrée, j'ai mon mascara qui a coulé, mon crayon aussi. Voilà. Bon, j'avais une tête déjà pas très fraîche au début, là c'est encore moins fraîche. Donc, ma petite bichette, merci. Alors, je comprends pas que tu avais peur parce que tu as fait mouche pour tout. Tout me plaît, il n'y a pas un truc que je pourrais dire, un sein, non. Tout me plaît, même les sacs. Donc voilà ma bichette, je clôture avec Edwige sur les genoux. Donc je disais, je vous fais un peu beaucoup bouger, désolé. Je dois clôturer au téléphone parce que je n'ai plus du tout de batterie dans mon appareil. Et si j'attends qu'il recharge pour clôturer, ça va prendre plus de temps à recharger qu'à filmer. Donc voilà. Donc je disais, Manon, merci pour tout. J'adore tout. C'est un sans faute, comme d'hab, de toute façon. Je m'inquiétais vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi toi tu t'inquiètes. J'espère que le mien te plaira aussi. J'ai trop hâte, puisque nous, on se les regarde en privé avant de les publier, en fait, pour voir nos réactions et tout ça. On ne se donne pas d'indices sur ce qu'on a aimé ou pas aimé. Ou, enfin, voilà, vous voyez, on ne parle pas du swap entre nous avant de regarder nos deux vidéos, en fait. C'est plus... sincère, donc voilà, mais j'avais aucune crainte avec elle, les swaps, j'ai jamais une inquiétude avec elle, voilà. Donc n'oubliez pas d'aller voir ce que moi je lui ai envoyé, dont vous avez le lien de sa vidéo swap en barre d'infos, de vous abonner à sa chaîne, puisque en plus maintenant elle commence les vlogs, elle s'y met doucement, c'est pas encore une automatique chez elle, mais elle s'y met, voilà, ça lui plaît beaucoup, et voilà, si vous aimez les vlogs, ben, vous pouvez aller franchement sur sa chaîne. Et moi, je vais devoir tout ranger maintenant. Pouf, ça, c'est le pire. Les papiers, ça sera pour demain, ils resteront par terre. J'ai trop la flemme. Et voilà, je suis essoufflée parce que je viens de courir dans les escaliers pour aller chercher mon téléphone. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai rien de plus à dire. Je crois que ce swap est déjà... le déballage est déjà assez long. Manon, merci encore une fois. Voilà, tu sais à quel point tu es importante dans ma vie. Et j'espère vraiment que ton swap te plaît autant que moi. J'ai aimé ici, donc voilà. Et ben c'est tout. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pareil sur la chaîne de Manon. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous auriez aimé recevoir ou qui vous plaisent plus que d'autres. Ou que vous avez déjà, par exemple. Et voilà. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.